Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va tester, ouais, comment vous dire, des chemises bizarres. Allez, c'est parti. Donc en fait, cette vidéo devait être tournée avant Noël puisque vous verrez, elle est sur la thématique de Noël. Rien à voir, on est au mois de janvier, la galette c'est fini, le nouvel an c'est fini, quoi, les fêtes c'est fini. Vu qu'elles sont fun, j'ai dit quand même, je vais tourner la petite vidéo et on va voir un peu ce que ça donne, voir si c'est de la qualité comme d'habitude. Alors, le site, c'est Summer Everest. Ils font pas mal de vêtements thématisés sur par exemple le Grinch, Dark Vador, un peu chemise Miami, tu sais, avec les fleurs et tout. Ça, il y a pas mal de choses comme ça et je trouve ça fun parce qu'on n'en trouve pas vraiment dans les magasins. Moi, c'est vraiment un truc que mon fils porte. Donc, c'est pour ça, là-bas, c'était pour lui. Je lui dis, ouais, Noël, tu auras des chemises. Eh ben non, je les ai reçus vraiment, vraiment en retard. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils me les ont envoyés en retard ou si le délai de livraison est long. Je tiens à vous le préciser, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est envoyé comme ça, dans des pochettes. Tu sais, t'as l'impression que c'est un vinyle, le truc, quoi. Trop sympa. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous mets tous les liens de cette vidéo en barre d'infos, ainsi que mon Instagram. Bon, aujourd'hui, je vous tourne. Il fait tempête, pluie, c'est une catastrophe. J'ai une tête. C'est dur, hein. J'ai besoin de soleil, les gars. J'ai besoin de soleil. Bon, allez, je vais ouvrir la première. Ah, c'est bien emballé parce que quand même, t'as un plastique plus le carton, quoi. Non, non. Regardez-moi ça, elle est trop bien. Il va kiffer. Alors, je vais essayer de vous les filmer et l'incorporer ici. Voilà. Voir un peu ce que ça donne portée, quand même, c'est le but. Elle est trop belle. Quand c'est du L, je croyais avoir pris du... C'est marqué XL sur la boîte. XL, là, c'est du L. Il y a un petit problème au niveau de la taille, hein. Je suis honnête avec vous, je ne comprends pas. Le L correspond à XL, hein, ça arrive sur certains sites. Et la chemise, donc c'est sur le thème les jeux un peu rétro ou non, c'est que Mario. C'est que Mario. Elle est trop canon, je kiffe. Marie est en train de jouer avec le plastique. Dès que je pose un carton ou un plastique par terre, elle vient. Mamie, ça fait du bruit. Je sais que t'aimes bien, mais non. Allez, ensuite, ça va être une petite vidéo, hein. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui adore des chemises un peu originales, ah, ils ont même une chaîne YouTube et tout, regardez, ils ont tout. Et ben, ça peut être une bonne idée cadeau. Franchement, ça peut être une bonne idée. Okay. Ça peut être une super bonne idée cadeau, puisque, comme je vous expliquais, des chemises comme ça, on n'en trouve pas partout, hein. Allez, j'ouvre le deuxième. Hop. Voilà. Alors, la deuxième. On part sur Spider-Man, il me semble. Alors, là, c'est marqué L aussi. Non, là, c'est marqué XL. Alors, on est sur le thème comme ça, Spider-Man, avec l'araignée. Et c'est vraiment l'araignée de Spider-Man, puisque le sac Helena que j'ai pris, le launch fly, c'est la même araignée qu'elle a dessus. Elle est dans un mode un peu Halloween, je pense. Elle est super jolie. La matière est... C'est matière très fluide, mais pas électrostatique. Tu sais, il y a des matières comme ça un peu cheap. Là, non. Je vais essayer de vous dire un peu les composants, mais c'est une matière d'été, hein, vraiment. Est-ce qu'ils ont mis les étiquettes? 95% de polyester, 5% spandex. Donc c'est 100% synthétique. Voilà. Bah écoutez, là j'ai pas l'impression quand je touche que c'est du synthétique, mais c'est une matière très fluide. Allez, on continue. Il y en a encore une ou deux. Hop. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a? Une rouge. On est sur. Est-ce qu'on est. Là, c'est XL. Je pense que vraiment la première, il y a un problème de taille. Dark Vador comme ça. Voilà, alors je comprends pas, il est en mode Stranger Things le truc, tu vois, il a des cornes, je ne sais pas. Donc elle est rouge et noire, je vais vous le mettre en même temps ici, porté. Je ne sais pas s'ils m'ont mis un code promo, si au cas où, je tiens à vous le dire, c'est comme d'habitude. Sachez que c'est presque automatique quand les marques nous envoient des produits pour qu'on les teste. Parfois je refuse parce que ça me dit rien du tout et c'est un peu la cata, c'est certains sites. Mais là, je trouvais que c'était fun et ça me ressemble tellement de porter du Disney, des chemises originales. Et je me suis dit souvent, je parle de nana et là, voilà, ça permet de parler de mec. Donc comme je vous expliquais, ils nous envoient souvent un petit code promo, mais parfois non, hein. Parfois c'est juste pour montrer leurs vêtements et puis c'est tout. Et je tiens à dire, je ne suis pas rémunérée parce que souvent, hein, les gens, ils jasent. Non, je ne suis pas payée. J'ai accepté pour mon fils, en fait, parce que bah, il est étudiant et on sait très bien que c'est pas facile, hein, la vie d'étudiant, parce que on parle de toutes ces galères qu'on a en ce moment. Je vais ouvrir celui-là en même temps. Et les étudiants, on n'en parle jamais, mais c'est une catastrophe. Une catastrophe. Ils galèrent de plus en plus et la vie augmente pour eux aussi. Bah, certes, je l'aide, mais quand t'as pas de parents ou voilà, bah, je me demande comment ils font, ces pauvres étudiants. Donc là, on part sur une chemise Grinch. Bah oui, je voulais une chemise de Noël. Et malheureusement, bah voilà quoi. Donc là, c'est une chemise en XL. Elle est comme ça. Oui, bon, il fait un gros mot, hein. Je ne dirai pas. J'espère que je n'ai pas été striké parce que parfois, laisse tomber, l'algorithme YouYou, là, il nous embête. Donc, on a des petites boules de Noël. Et qu'est-ce qu'il nous dit?
Merry, je dirais pas le gros mot, Christmas. Ok. Lui, il n'aime pas du tout Noël. Mais on sait, c'est le Grinch. Le Grinch, il n'aime pas Noël du tout. Et ensuite, la petite dernière, je l'avais ouverte parce que bah, je voulais lui mettre, mais bon, c'était après Noël, donc c'était pas la peine. Donc, on part sur une chemise en XL, pareil, c'est toutes les mêmes, hein, toutes les mêmes. Sauf que là, on a Papy Dark Vador avec son bonnet de Noël. Bon, bah, il le mettra l'année prochaine, hein. Voilà. Elles sont sympas comme tout, regardez. Donc voilà, elles sont assez bien, elles sont très bien, franchement, elles sont très bien. C'est des chemises fluides, tu peux trouver cette matière-là, quoi. Voilà, tu les trouves, je ne sais pas combien elles sont sur le site, je m'en souviens plus. Mais bon, c'est vrai qu'elles sont thématisées. Mais c'est ce que je vous expliquais, ça peut être une bonne idée cadeau. Une bonne idée cadeau, j'adore. Donc voilà, cette petite vidéo est finie, elle n'est pas très longue, mais j'ai trouvé ça marrant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je sais que moi, j'aurais mon papy là, j'en aurais offert une directe, il l'aurait mis, c'est sûr. Ces chemises sont super originales. J'adore, franchement, j'adore le concept de thématiser. Je crois qu'il y a plein d'autres choses, des suites, des pulls et tout. Donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'hab. Donc voilà, cette vidéo est finie. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!